En Irak, la progression des djihadistes de l'État islamique en Irak et au Levant semble marquer le pas après 2 semaines d'avancée rapide dans le nord du pays. L'armée irakienne s'emploie à bloquer les insurgés à Bakouba, à 60 km au nord de Bagdad. Mais si les troupes gouvernementales enregistrent localement quelques succès, il n'empêche, les combattants islamistes consolident leur emprise sur le nord et l'ouest du territoire. C'est dans ce contexte que le secrétaire d'État américain John Kerry est arrivé ce lundi à Bagdad en provenance d'Amman en Jordanie. Au programme, un entretien avec le Premier ministre Nouri al-Maliki. Les États-Unis lui reprochent une attitude discriminante à l'égard des sunnites, à l'origine, selon Washington, du mécontentement populaire et de l'insurrection. À Mossoul, les djihadistes ont imposé leurs règles. On les voit ici distribuer des exemplaires du Coran. Dans cette grande ville du nord du pays, ils ont mis la main sur d'importantes liquidités dans les banques et dans les coffres des institutions. On parle de près de 500 millions d'euros, ce qui leur donne encore plus de marge de manœuvre.